Salut mes foodies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Malheureusement, c'est pas une vidéo recette. Mais j'ai quelque chose qui va vous révolutionner l'utilisation de votre Thermomix. Ça, je vous le garantis. Et je suis fier et heureux de vous présenter aujourd'hui, en avant-première et exclusif au Canada, le presse-agrumes pour votre Thermomix. Regardez-moi ça. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va le déballer tout de suite ensemble. Ah, maintenant, on va le déballer ensemble. Donc, hop. Le manuel d'utilisation français, anglais, espagnol. On déballe. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Les deux premières têtes, d'accord? Là ici, ça va être une tête qui va vous servir. C'est pour tout ce qui est lime, citron, les petits agrumes. Et l'autre tête qui est beaucoup plus grosse, qui va nous servir pour tout ce qui est orange, pamplemousse. Ah, là, on a notre fameux réceptacle, vraiment. Donc ça, c'est ce qui va venir certainement se poser dessus. Et la dernière partie de l'accessoire, ça c'est ce qui va venir se mettre sur l'hélice de notre Thermomix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'installer ensemble sur notre Thermomix. Rien de plus simple, on retire le couvercle de notre Thermomix. Première partie à installer, c'est celle qui va venir se mettre sur les hélices de notre Thermomix. Vraiment simple à installer, elle se cale directement entre les hélices. Ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute le réceptacle. Ce que j'aime vraiment bien aussi, c'est qu'il a été renforcé ici avec une bague en métal pour lui apporter encore plus de robustesse, comme notre Thermomix. Donc, on vient juste le poser et il vient vraiment se poser sur le bord de notre bol de notre Thermomix. Et après, rien de plus simple, on va choisir notre élément en fonction de l'agrume qu'on a choisi, donc petit ou le plus gros. Donc, il y a juste à venir l'insérer. Et voilà, notre presse agrume est installée. Vraiment, rien de plus simple. Point important, il faut savoir qu'il ne faut jamais aller au-delà de la vitesse 2,5. Donc, si je veux avoir plus de pulpe, on va aller sur la vitesse 2,5 normale. Et sinon, si j'en veux moins, fonction sens inverse et le tour est joué. Bon, maintenant fini le lissage, on va passer au test grandeur nature. C'est-à-dire que je vais prendre mes citrons. Là, j'ai pris orange et pamplemousse. Et on va venir préparer nos jus. Alors, il faut savoir aussi qu'il y en a beaucoup qui vont se demander pourquoi on vient utiliser ça. Puis ça va abîmer notre balance. Mon Dieu, oh, la balance de notre Thermomix, ça va être abîmée. Non, pas nécessairement. Et il ne faut pas vous inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la pression que vous allez exercer sur votre Thermomix va être beaucoup moins importante que lorsque vous faites une pâte à pain ou brioche ou autre avec l'utilisation du pétrin. Donc, il n'y a aucun risque pour votre balance. Maintenant, on passe au test. Donc, avec notre citron, vitesse 2,5. Et hop, c'est parti. Donc, je viens le poser dessus. Et même, il n'y a même pas besoin d'exercer une pression vraiment parce que ça le presse correctement. Regardez, franchement, c'est vraiment superbe. Alors là, je refais avec la deuxième partie. Ah, vraiment, c'est superbe. J'appuie même pas parce qu'avec la vitesse, ça presse mon jus sans problème. Et on fait comme un presseur, un juiceur. On va vraiment aller, on bouge, puis mon agrume, tout le jus est parti. Non, mais c'est vraiment génial. On va passer avec l'orange là, vraiment comme ça, vous allez voir. Idem. Et vraiment, ceux qui s'inquiètent par rapport à ça, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas besoin de presser dessus, là. Impeccable. Oh, c'est superbe. Regardez, on va même basculer. Pamplemousse. Donc, on met le plus gros. Je fais la même chose. Puis là, même pour essayer, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sens inverse. Et hop, mon pamplemousse. Ouais, c'est idem. Attendez un petit pépin. Je laisse juste. C'est vraiment. Là, c'est sur les côtés où je le bouge légèrement. Et j'ai tout mon jus qui se fait. Je le vois. Alors, si vous avez rêvé de vrai jus, ouais, c'est vraiment génial. J'ai mon jus fait au Thermomix. Si c'est pas superbe ça.
Vraiment. Tadam! Regarde-moi ça si c'est pas fantastique. Ton jus pressé 100% maison avec plus ou moins de pub. Tu peux le choisir. On n'oublie pas avec la fonction sens inverse. Alors, maintenant, tu abandonnes. Tu oublies ton presse-agrumes. Tu peux le revendre. Maintenant, ton Thermomix, il le fait. C'est terminé. Tu n'as plus besoin de ça. Tu gagnes encore de l'espace. Dis-toi aussi que capacité maximum tira jusqu'à 2 litres. Pas plus, d'accord, pour éviter les débordements. Alors oui, tu vas peut-être pouvoir voir, entendre, il y a plein de personnes qui vont te dire « Oui, mais la balance, mon Dieu, notre balance de Thermomix !» T'inquiète pas, il n'y a pas de problème pour ta balance. Faut pas te stresser avec ça. On l'a testé, il a été testé par plusieurs personnes. Il est déjà en Europe testé par d'autres personnes et il n'exerce pas de pression, pas plus que une pâte à pain ou une brioche au moment du pétrissage. Donc, ne t'en soucie pas. Tout ça pour te dire où je peux l'avoir sur la boutique mesateliercuisine.com. Et pour ceux qui sont en Europe et en France, vous allez pouvoir le commander directement via notre distributeur Wondermix et vous allez pouvoir avoir un rabais de 5% avec le code mesateliercuisine. Juste en dessous, c'est écrit juste ici. Allez-y. Alors voilà. Moi, j'espère que ce nouvel accessoire va vous plaire. Vraiment exclusif ici pour nous au Canada. Et puis, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.